À voir combien de garçons il va emmener dans la roue. Bon, pour l'instant, ça répond bien. Chez les autres, possibilité de compte. Je crois que Gébert était sur une tentative. Eh oui, c'est le contre. Allez, c'est parti pour Elie Gébert, maintenant dans cette équipe Arkea Samsic. Ouais, c'est pas une petite, hein, c'est pas un pétard mouillé qui est en train de nous mettre Elie Gébert, là. Oh, la grosse attaque de Gébert. Ah, il fait mal, il est en train de faire mal, là, à l'avant du peloton. Oh, il est costaud, Elie Gébert, il est très, très costaud aujourd'hui. À 3,6 km de l'arrivée, là. C'est en train de buter derrière le coup de la formation AG12R Citroën. Remis assis, est-ce que Ivan Sosa va y aller? En tout cas, il a fait exploser le bazar, comme on dit. Et maintenant, Elie Gébert qui va devoir voilà, garder cette allure. Oh, l'attaque tranchante hein, du coureur breton, franchement, là. Derrière, c'est, on a deux coureurs Ineos. Hein, il me semble avoir vu Sébastien Henao se remettre au service hein, de Sosa. C'est l'arrière, hein, voilà le. Ouais, ouais, c'est plutôt l'avant qu'il faut nous montrer parce que l'attaque des Gébert est en train de faire mal à tout le monde là. Alors les Ineos essaient de revenir au train. Il y a encore un coureur W52 FC Porto je crois dans la roue. Et ce sera tout pour accompagner Elie Gébert. Il semble quand même un peu loin, on doit être à une vingtaine de secondes. La présence d'un autre coureur portugais de cette équipe avec Amaro Antunes. Ah Elie. Elie Gébert dans la roue de Ivan Sosa. Allez Elie hein, au punch. Allez chercher cette belle victoire hein, au sommet de l'Alto des Foya. Et Tan Aytert qui discute encore à l'oreillette. Ah, il caresse les pédales Aytert là pour réussir à parler à l'oreillette comme ça là. Alors qu'on sent que tout le monde a la bouche grande ouverte. Bon bah, on va rouler pour Aytert hein. On va rouler pour Tan Aytert. On a perdu un Ineos, hein. On l'a vu là-bas ouais. Derrière les voitures. C'est Sébastien Henao hein, qui a fait le job. Attention au coureur portugais, hein. Je le sens bien aussi, hein, c'est Joao Rodrigues. Côté Carrara Rural, ça me paraît plus compliqué, vraiment, hein, pour Jonathan Lastra, qui s'accroche, hein, telle une sangsue. Allez, on est dans le final. Qui va tirer son épingle du jeu dans ce groupe 5 hommes pour la victoire d'étape aujourd'hui. Elie Gébert est là en compagnie de Sosa, Aiter, Rodriguez et Lastra. Allez, à 300 mètres allez, de la ligne. Il est placé, hein, Elie Gébert, là dans la roue de Sosa. Il va pas se faire surprendre par un Aiter en 4e position qui va lancer. Et c'est parti, le sprint là. Oh non. Alors Reiter il nous a fait une fausse piste. Il attend le dernier moment. Ouais. Oh mais là, on a Rodriguez là qui est déjà en plein sprint. Reiter il est fort. Impossible. Et Tan Aytert en costaud à 100 mètres. Et Tan Aytert qui a su se positionner. Ouais, et il va franchir la ligne en vainqueur. Et Tan Aytert s'impose au sommet de Foya pour cette étape du Tour d'Algarve. Devant, me semble-t-il, Rodriguez pour la deuxième place et Lastra.